Si t'es perdu, la sortie, juste à regarder là, t'as la sortie. Non, mais parce que je suis en train de faire un peu de vite fait. Wow, j'ai passé combien de balles à côté de moi, lui. Ouais. Tiens. Mais ça, c'est. Non, là, t'as l'heure qu'elle a dit que ça se en déchire, ça. Je vais envoyer une photo. Il est à 300 mètres de toi. Vas-y. Oh putain, il a fait m'écraser, lui. Hein? Oh là, ça va être long. Ah, il va rentrer ou pas? Bah, attends, je suis à 200 mètres de toi. Ah, bah, faut que je bouge, j'ai plus de shield. Ah, mais il te lâche pas, ces enculés, quand même. Ah, bah, non. C'est pas pour dire être méchant, mais je crois que ça va, il va prendre une 34 lui, là. Arrête d'être méchant. Je vais les éloigner et juste. Attends, vu qu'il va prendre une 34, je vais aller chercher la dernière bouboule. Bah, j'arrive plus à mettre mes bouboules dans l'inventaire du ship. Je vais aller en chercher une autre. T'es toujours en train de bugger ou pas? Non, non. Je vais la faire venir alors. C'est quand je suis monté derrière ton. Je suis monté derrière que ça a bugué. Après, t'étais bugué dans la rampe, hein, moi, de ce que j'ai vu. En fait, moi, j'avais des images partout, en fait. Tu sais, je voyais l'éther du vaisseau, l'éther de moi, de coup, je voyais tout, en fait. Incontrôlable. Je savais pas où j'étais. Ok, bah, je commence à faire le demi-tour, là. Où est-ce qu'elle est, celle-là qui est tombée, là, dans l'inventaire? Beaucoup de ticoy en plus, hein. Bon, non, elle a disparu. C'est pas grave. Tu me vois ou pas là après, je suis proche. Ouais, là, t'as 7400. Je te vois à 3000. Alors, c'est dur, quand. Je te vois toujours à 7000. Ouais, c'est dur que je me déplace très vite. Ah, t'as 1400. Ok, c'est bon, 500 mètres, je vois. Ok, collision alerte, c'est dur que c'est pour. Allez, je suis à l'arrêt. Je suis juste en dessous de toi, là. Tu vois pas? Tu l'as pas encore vu arriver? Merde, alors. Arrête de bouger, j'essaie de te ramener comme ça. Bah ouf. Voilà, t'as disparu. Ah bon? What? J'ai pris les dégâts. Oui, c'est moi qui t'ai. Je t'ai rentré dedans. Attends, ah, bouge pas du tout, je vais te faire rentrer. Ah mais non. T'es dedans? Mais je sais pas, je te vois pas. Tu me vois pas. Non, je te vois pas du tout, je vois ce dos, c'est tout ce que je vois. Moi, je te vois rentrer dedans là. Attends, je vais envoyer à Benji pour voir si c'est ça. J'ai hâte du truc. Tu es ce que tu dois dedans là? Non. Merde. Ah. On fait bouger là en fait, mais je vois rien en fait. Ah ok, j'étais dehors. Ah. Attends, je prends un mètre peine. Est-ce que t'as. Tu me vois toujours pas? Non, mec, je te fais un partage, tu veux. C'est bizarre de fou. Mais bah, mec, tu fais un partage d'écran, hein, pas de problème. Hein. Non, mais t'embête pas. Regarde. Hein. Ah ouais. Est-ce qu'il est notre ami? Non. J'arrête de bouger. Ah, tu pars en couille en plus dans mon vaisseau. Ah, mais tu dois tomber sur là? Ah, moi, selon ma POV, là, t'es dans ma rampe. Je vais descendre de mon siège. Hein. Ah, ça y est, t'as paru. Ouais, bah, j'entends Engines Destroyed, super. Ça,
Quoi? T'es sérieux? Quoi? Ah, parce que là, tu viens d'apparaître pour moi, là. Attends, il m'a répondu. Il m'a dit yep, c'est ça. Alors, hop. Qu'est-ce que c'est, cette merde? On a perdu une aile, je sais pas pourquoi. Ah mais vas-y, c'est incontrôlable, je fais quoi là? C'est casse-couille ça. Allez, lève-toi là. Allez, putain, quel bordel pour entrer dans un truc. Attends, je vais demander combien de UEC. Ça se voit. T'es bien. Attends, hein. Parce que j'en ai combien? Ah, ben exactement. Bien sûr que t'as un nom. Le nom de prof, hein. Je suis là, je suis un copilote. 1, 2. Il y en a beaucoup de parfums là, putain. C'est de la zone anti-quantum, mais tu vois. Ok, comme on a perdu des réacteurs. Ça va être une vraie galère pour rentrer. Si tu veux, va à la planète la plus proche. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ça va aller sur Hearthstone, sur Everest, hein. Ouais. T'as le quantum? Non, c'est moi, le père quantique a pas été touché. Et ça a cassé quoi, la distance de quantum ou tu veux plus du quantum? Comment ça? Tu me dis que ton quantum était touché. Non, il est pas touché justement. Ah, il est pas touché. Pas touché, mais je sais pas si t'as remarqué, on a perdu l'aile droite. Ouais, c'est ce que je vois. Je suis pris du but, moi. Il m'a arrêté à 60 km de là où je voulais aller. Alors. Everest. Oh bah, au moins il est solide, hein. Ah bah, tu sais qu'il est un peu costaud. Ouais, mais tu sais que. Mais tu sais pourquoi il est parti, l'aile? C'était un bug, en gros, c'est parce que t'as la tête dure. J'étais rentré dedans et ça a pété l'aile. D'accord. Je rigole pas, hein. Moi, tu mets rentré là, ça a cassé les lèvres. Attends, parce que du coup, on va tellement vite que le vaisseau... Ah, merde. Ah, putain. J'avais pas compris. Bail en fait de sortir les vétos, j'en ai que d'un côté.
Ouais, le truc c'est qu'il faut descendre progressivement, sinon il kiffe pas. C'est bon. Ok, on va voir si la gravité va le tuer ou pas. Ouais, un petit peu. Alors, en gros, faut atterrir vite. L'atterrissage sans un gros. Putain. Et bordel. Ah, je te le fais pas dire. Hein. J'espère que les trucs de maintenance et tout ils marchent pas. Pourquoi ils marchent ici? Pourquoi ils marchent pas? J'en peux plus. Reforme le cockpit. Bah non, du coup. Le refuel, le restock et le repair ils marchent pas. Hein. Ah oui. De Bernadotte, il y a des mineurs parmi vous? Des mineurs? Ouais, des spécialistes du minage à pied. Pourquoi? Parce que j'aimerais savoir, la jadalanite, là, le minerai super rare qui vaut cher, c'est bien du vieux, c'est bien un minerai violet? Non, il non, jaune. Jaune, ok. Jaune. Non, c'est que je n'ai pas de matériel de minage, mon corsaire a subi des dégâts, je peux plus redécoller, je suis bloqué dans une cave. Et donc, je suis tombé sur des minerais qui étaient un peu violets, je me posais la question. Mais tu peux, hein, ça rapporte un peu quand même. Bah, j'ai pas le matériel de minage. Ah oui, ouais. Tu parles de l'uranite. Oui, là, Pardon ? L'uranite ? T'es où ? Pas possible. T'es venu te chercher ou pas ? Attends, j'essaie de sortir de la cave. Si tu viens me chercher. Du coup, faut que je joue avec Jack. C'est ça ? En fait, si tu veux pouvoir accéder au market, t'envoies un message à Jack, tu lui expliques que tu es de la Himalaya, lui il va te permettre de te connecter à leur site à eux, enfin à leur Discord à eux, c'est le plus juste, où là tu pourras faire les échanges avec d'autres joueurs. J'en ai que le Bachar. Ok, je lui envoie MP quoi, je lui dis comme quoi je suis de l'Himalaya et j'aimerais bien accéder au site. C'est ça. Et en fait, je t'explique ce qui va se passer. Il va te contacter, lui ou un autre de son orga, pour te proposer un jour d'échange. Ce jour-là, en fait, tu ramènes les pièces qu'il faut échanger. Vous faites. Comment dire? Tu lui donnes tout ce que tu veux vendre. D'accord? D'accord. Et une fois que tu lui as donné tout ce que tu veux vendre, le mec derrière va négocier auprès des joueurs intéressés combien il peut les vendre. Tu vas faire quoi, Sam, là? Tu vas faire quoi? Ah, j'ai redécollé, il est frais en vaisseau. C'est assez aléatoire. Par exemple, tu vois, t'as Kézolius, comme je disais, qui est parti avec un stock qui est estimé à 20 millions. Sauf que vu que la demande était basse, il est parti qu'avec 7 millions d'échange. Mais s'il les avait vendus au NPC, il aurait tiré quoi? À peine 20 000. Donc dans l'affaire, il a gagné quand même pas mal. Ouais, de toute façon, de base, côté rien à faire, quoi. Bah ouais, c'était des armes, tu sais, tu les revends à peine 10-15 000 au niveau des NPC. Merde. Donc, ah, et au final, la planque, c'est à recherche, quoi. C'est ça. Surtout, là, des FSF, j'en ai gogo. Donc tu vois, avec lui, tout ce que tu veux échanger, lui, il est preneur, hein. Après, comme il dit, il te garantit pas la rapidité du service, vu qu'il faut qu'il négocie avec l'acheteur et tout. Donc, qui est-ce qui voulait venir me chercher? Bah, si tu veux, non, on peut venir. Hein. Ok, bon, comment on fait pour faire une beacon? Non, mais t'es sur notre serveur ou pas? Bah, normalement, ouais. Bernardo, tu vas regarder ça? Non, je crois pas, hein. Mais vas-y, on va te rejoindre, c'est pas grave. Ah, je suis sur le serveur d'Extra Roro. Ah, bah, t'es dessus Yann. Alors. Ah non, bah non, vous nous avez quitté. Accéder. Est-ce que j'ai fait une photo où moi? Bon. Du coup, Bachar, je store le vaisseau et je vais aller aider Bernard. Merci, flamme active. Vous allez faire quoi en fait? Je n'ai pas compris. Bah, juste. Mission, je vais à la rescousse quoi, de Bernadette, c'est tout. Ah, comme moi là? Ouais. Vas-y, je vais avec toi. Ah, vas-y, hein. Envoyez-moi une invite, les gars, comme ça vous pourrez trouver mon marqueur. Ouais, mais déjà on store le vaisseau pour être. T'es sur quelle planète déjà?
Je suis bloqué sur Daymar, sur une zone qui n'est pas indiquée sur les radars. Ouais, ok. Donc après, si vous voulez aller miner en souterrain, il y a de quoi faire. Donc si vous avez du matériel, voilà. Non, non, mais c'est pas l'argent que je cherche. Je vais au menu, ok, bah tu vois. Ah, attends. Bah, je fais pareil. Et j'ai moi aussi récupéré une de ces saloperies de stone bug. Et là, en fait, c'est quoi? Il s'est fait attaquer? C'est quoi? En fait, ce qui s'est passé, c'est que je faisais de la chasse à la prime en atmosphère. Ouais. À la base, ma cible devait être dans une cave, sauf que quand je suis arrivé sur la zone de la cave, c'était une embuscade. Il n'était pas... Il n'était pas au sol, il était en avion. Dans ces putains d'intercepteurs, ils étaient trois, et il y a un des intercepteurs qui s'est crashé sur moi, qui m'a arraché toute l'aile droite du corsaire. Et donc, comme c'est Drake, dès que tu perds un réacteur, voilà. T'es quasiment foutu. C'est fini tout, quoi. C'est presque. Ça. Bah, t'as juste les trucs pour survivre, quoi, le minimum. Voilà, j'ai réussi à réduire ma vitesse, à terminer le combat en faisant du surplace. Ah, les ennemis sont détruits. Il n'y a plus d'ennemis, c'est garanti. Ok. Il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus qu'un corsaire abandonné dans la nature. D'accord. Et c'est des ennemis à pied, c'est pas grave, hein. N'oublie pas qu'on a un nain. Négatif, à pied, il n'y a rien du tout. Je suis paumé en plein désert, dans des ravines. Quand va y avoir le serveur machine, je serai obligé d'envoyer une bécone. Qui veut venir me chercher? Ouais. Mais ça va rendre bien, hein, ça, un vaisseau abandonné, là, comme ça. Ouais, bah, par contre, à deux, c'est une galère de trois jambes, hein. Cool. Hein. Bah, une fois que t'as ma position, tu peux soit jumper sur moi... Il parle plutôt de rejet de ton serveur, c'est ça? Ouais. Ah. Au pire, ce qu'on fait... Sinon, fais le coup du 30K, Bernadotte. Tu peux, hein, mais ça marche plus. Ou sinon, juste on rejoint un par un, Butcher, je quitte la partie, je rejoins et ensuite toi aussi. Parce qu'à mon avis, c'est parce qu'on rejoint un team que ça. Oui, ouais. Ou sinon, moi je suis pas mort, donc je peux à la rigueur me déconnecter et me faire réapparaître dans une base. Mais je trouve que niveau roleplay, c'est... Voilà. Ouais, bah attends, je vais quitter la partie. Voilà. Et j'essaie de rejoindre un solo. Ah non, y'a vraiment personne qui veut quitter, hein. Tout seul. Mais si moi je dors et que je me reconnecte avec vous sur un autre serveur, je vais réapparaître avec mon vaisseau dans la même zone ou pas? Ouais. Ouais, mais est-ce que ton vaisseau il est sur Terre? Il touche le sol il ou est pas sur Terre. Il est sur Terre. Ouais, et vite. C'est bon, Butcher, y'a des places qui sont libérées. Ah, il y avait marqué 4 et 19 et c'est passé à full. Ah bah j'ai rejoint plus que... Ah bah mon truc s'est fermé tout seul. Il m'a répondu, il m'a dit comme quoi il comprenait pas ma demande. Est-ce qu'il peut avoir plus de détails? Je lui parle du FTC Market. Ouais, tu lui expliques. Sinon tu le mets, t'as vu qu'on a un channel dans la corpo? Ouais. Tu te présentes directement dans le channel. Comme ça, là il voit que t'as Jimalia. Je sais pas, je lui ai envoyé un message. De toute façon, après, il voit bien que je suis d'Himalia. Hein. Il va sur mon profil, il voit serveur commun Himalia, quoi. Bah, après, je te dirais que pour moi, ça s'est bien passé, donc. Peut-être qu'il est occupé à quelque chose, ce genre de choses. Ah. On est d'accord que tu étais flop, t'es dans le même serveur que. Bernard, là, j'ai réussi à le rejoindre. Ah, bah, j'étais rejoint à toi, en fait. Ça a marché. Ok, bah, parfait, je vous invite alors. Hop. Ah, Butcher, je suis pas encore en ligne. T'es en train de te connecter ou t'as pop là déjà? Ah, je suis en landing. Ok, c'est pour ça. Mais après, là, on va le récupérer. Vous voulez faire quelque chose de spécial après ou... Alors, moi, je suis libre pour faire quoi que vous voulez tant que pareil. Tant que ce soit intéressant. Ouais. Là, en le minage, tout ce que vous voulez. Alors le minage, tout ce que l'on veut, d'accord. Petit bug intéressant, la tourelle du arrière du
du corsaire reconnaît quand même ne reconnaît pas l'absence d'aile. Résultat, vous avez beau avoir perdu une aile, elle évite quand même la zone. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je me suis fait arracher l'aile droite. Donc normalement, quand t'es au sol, tu devrais pouvoir tirer tranquillement sans que la tourelle évite la zone quand l'aile est repliée. Ah ouais, je vois. Mais elle le fait quand même. Ah, voilà, okay. Elle le fait quand même. Ce qui fait que j'ai pas intérêt à me faire attaquer par des PNJ parce que sinon je suis un peu dans la caca. Vu que je ne peux compter que sur cette foutue tourelle arrière. Butcher, tu me dis quand t'as pop? Moi je suis en train de sortir. Je suis le vôtre en fait. Ah bon? Bah ouais, là il y a les ordinateurs pour la liste des. Ah moi je suis dans le hangar là. Je t'ai envoyé une invitation à la partie. Avec moi, Bernardotte? Non. Ben. Qui ça? Ben. Ok. T'as pris quel vaisseau? Bah le seul intéressant que j'ai, le A1. Je vais avec toi ou je prends vaisseau? On y va. Bah ça me semble d'aller en vaisseau, mais ça fait comme tu veux. Hein. Vas-y. En tout cas, je vais laisser la rampe ouverte. Bon, alors, note à moi-même, la prochaine fois que je repars avec elle. Ouais, un corsaire, prendre le matériel de minage et de réparation. Hangar 7, hein, Butcher. Alors. Ben, hop, il doit être tout parti, c'est bon. C'est quel département, ça, le 81? Le Tarn. 81, c'est le Tarn. D'accord. Ok, il n'y a pas rien qui fonctionne. Vas-y, Butcher, c'est quand tu veux. Ben, je peux. Il me reste 20% de d'eau là. J'ai une bouteille à la main, je peux pas le boire, c'est normal ou. T'as un casque? Si t'as un casque, c'est normal. Ah oui, putain, c'est vrai. Ça paraît tellement con que personne ne pense. Bah, sûr, t'as fermé le sas ou pas? Oui. Voilà. Okay. Petit rappel pour les boissons sans soif, vous buvez, vous remettez votre casque. Ouais, vous fermé, n'oubliez pas de ne pas le remettre. On va sortir de l'espace aérien de Evrus. Vous allez où? Bah là on va sur Bernardotte. Ok. Il est perdu sur Démarre en train de s'inquiéter. Ça fait bizarre que la map elle soit agrandie de fou. Hein. Parce que du coup on voit bien plus loin. Moi je suis déjà en train de psychoter sur les incendies vu que je viens de m'apercevoir qu'ils ont enlevé tous les extincteurs à bord du Corsair. Bah moi il y a même pas d'endroit pour placer un extincteur dans l'océan et dans la. Mais toi c'est normal, c'est un nouveau vaisseau donc de base les extincteurs sont enlevés. Et résultat tu les auras qu'à partir du moment où ils vont mettre la mécanique d'incendie. Ouais. Alors que sur les anciens vaisseaux, t'as des emplacements pour extincteurs qui étaient mis en place avec des extincteurs de décoration. Donc t'avais déjà une idée où c'était positionné. Ok. Et moi je viens de faire le tour, j'en ai qu'un seul en fait pour tout le Corsair. Dans le poste de pilotage. C'est vrai que, je sais pas, dans le ULC, là hier, je regardais. Et en vrai, il y en a pas mal, c'est pas mal agencé. Mais je me dis, il y a des vaisseaux où c'est tellement petit qu'il n'y aura peut-être pas la place. Hein. Genre, je pense à l'Aurora. Où est-ce que tu veux mettre un. extincteur là-dedans là. Si, ça peut se placer encore dans l'Aurora. Ouais. Mais les compartiments, dans le ULC aussi, ils sont petits quand même. Hein. C'est pas les gros extincteurs qu'on a, ou alors ils sont plus efficaces. C'est des petits extincteurs et normalement ils devraient être plus efficaces parce que vu la démo qu'ils nous ont montré, 2000 points de matériaux anti-feu. Est-ce que vous voulez que je tente de récupérer mes composants parce que vu que mon corsaire est mort,
Bah, tant que ça nous grille pas, si on se fait contrôler, c'est ok. Hein. Ok, je me lance dans une opération démantèlement de mon propre vaisseau. Mais t'es pas dans une grotte, rassure-moi. Non, je suis pas dans une grotte. Moi, je suis sorti de la grotte, j'avais commencé à l'explorer, mais vu que vous m'avez proposé de me récupérer, je suis remonté Fissa. Bah, moi, une visite de grotte, moi, ça me dérangerait pas. Tu prends le kiki. T'es pas là? Ouais, je suis là. J'allais dire, il doit être en train de négocier son entrée sur le market. Même pas, je regarde ce que j'en commande. Moi, je suis en train de faire des stocks de Demeco pour revendre. Et essayer de trouver des bonnes armures, mais bon. Attends, regarde mon partage. Je te montre. Il y aura des trucs intéressants dans mon inventaire. Attends, peut-être, tu dois peut-être pas avoir la bonne image. Ah, si. C'est bon là, tu vois le jeu? Ouais. Bon, attends, j'ai ça, tu vois. Vu que j'ai changé de serveur, faut que j'aille les chercher les autres. Après les armures, c'est pas. C'est plus dans les weapons. La Demeco, ça, je sais qu'il les écoule bien. Après, tu regarderas au niveau d'Elise qui nous a déjà mis dans le FCT Market. Je pense que t'as quelques armes qui peuvent les intéresser. Là, tu parles de FS9? Ouais, FS9 et autres petits bonus. Ouais, ça sera encore en dessous. T'as une FS9 verte? T'as déjà vu celle-là? Ouais, je l'ai, ouais. Oh, le truc, attends, le truc, je trouve. L'arme le plus stylé que je trouve du jeu, c'est celle-là, attends. C'est lui. Le ATZ. En version comme ça. Ben. Oh. Non, moi je suis en route. Quoi? Moi je suis parti de Cruel. Ah bah ça veut rien qu'on part de là-bas alors. C'était poche les poubelles, ouais. Oula, il me ferme la porte devant la gueule. Pourquoi t'as fermé? J'ai pas fermé.
Non, pas toi, Benji. Ah. Bah, t'es rentré. Tu peux fermer la porte au nez. Hop, c'est bon, j'ai refait le plein au niveau de ma santé. Donc, vous voulez jeter un coup d'œil à la grotte? Ouais, vas-y. Je vous préviens, c'est un peu chiant pour la montée et la descente. Hein. Faut bien repérer les points. C'est ok, c'est pas grave. On a 2 minutes de marche pour y accéder. Fermez bien vos vaisseaux. Hein. J'ai fermé le sas. Ah, moi, le mien, je peux le laisser ouvert. Hein. Il va pas redécoller. Ouais. Je pense que ça va. Ah, mais il y a une carcasse. C'est des trucs à toi, ça? Ah non, c'est des pièces de vaisseau que j'ai abattues. C'est ceux qui m'ont arraché mon aile. Oh, attendez. C'est quoi, ça? Il y a des potirons. Il y a des potirons de l'espace. C'est trop drôle. Ah, franchement, j'adore l'évolution de Star Citizen. Les carcasses qu'il n'y avait pas avant. Et surtout que maintenant, en plus, ça va rester sur le serveur. Ça a bien cassé les couilles, ça, par contre. Des traces de pas. Sérieux? Incroyable. Bah, y a vraiment des traces de pas. Effectivement, ouais. C'était génial. Alors, bah, en même temps, si tu marches en arrière et tu arrêtes derrière toi, c'est sûr que c'est des traces de pas. Tu fais attends, je marche sur ses propres pas là. Non, mais voilà. Au niveau de des autres. De l'aile qui arrête pas de clipper et de voler dans tous les sens. Donc ça, c'est ton aile, ça. Ouais. C'était. Ouais. C'est plus à lui. Ça, c'est quoi comme truc? C'est quoi comme avant de vaisseau, ça? C'est un 85X. Ouais. C'est un 95-5X qui t'a... C'est quoi ce bordel? Bah ça m'a arraché l'aile, ce con il m'a foncé dedans. Ah bah il pouvait rien faire d'autre hein. Pas quantum et... Voilà, doucement. Hop, l'entrée est ici. Ah ok. D'accord. Donc attention à pas se casser la gueule, Jim.